Salut, j'espère que vous allez bien. Lundi 24 avril, nouvelle semaine, donc nouvelle vidéo. Cette semaine au programme, déjà tout à l'heure, Richard, certains savent qui c'est Richard, depuis le temps que vous nous suivez certains, c'est le chauffeur de la Cuma. Voilà, il vient commencer à préparer les terres pour le maïs. Peut-être du lisier cette semaine. Cet après-midi, Julien va ramasser les bottes d'or rubané. Voilà, donc il faut qu'on refasse aussi le chemin pour les vaches laitières. Du coup, il y a Richard qui va venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore cette semaine? Moi, je pars en formation toute la journée de jeudi. Plus, voilà, ah si, il y a une vache à sortir avec son veau. Il y a aussi peut-être un veau à ramener, Julien, vu qu'il avait la diarrhée au champ. Peut-être qu'il ira celui-là aller chercher avec sa mère. Donc, encore bien occupé. Allez, c'est parti, je vais rejoindre Julien. C'est Richard qui arrive. Déjà. Oh, il y a Richard qui est là. Bon, ici on a des curieuses, hein. Allez-y, mangez les ronces, ça sera bien. Ça me fera moins débroussailler. Bon, alors les fifis. Bon, elles sont toutes sales parce que on a eu beaucoup, beaucoup de pluie samedi soir. Dans la nuit de samedi soir et même dimanche un peu. Donc on a même dû déplacer les vaches laitières de champ aussi, parce que ça fait bien tombé. Bah alors. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down.
crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down. Pour enlever les adventices et l'herbe, voilà, pour la faire crever. Bon, là il va repasser, hein. Parce que le champ doit pas être droit. Bon allez, on est parti à la pluie. C'est belle, je... Non, tu sautes pas. Attention, hein. Bon, c'est plein tout ça normalement. Ouais, faut échographier ça cette semaine. Les sardines, c'est celles qui nous sautent. Enfin, qui elles sautent. Ah oui, c'est vrai, c'est celle qui quand tu es en train de réparer. Ouais, mais elle fait tout le temps, elle continue. Oh. Elle aime bien sauter sur mon dos. Ouais, allez. Du coup, Richard ici a presque fini. Bon, vous avez vu, quelques images au drone. On a pris 20 mm ou 25 mm de pluie. Dans la nuit de samedi à dimanche, et ben malgré tout c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc la parcelle ici elle va passer en maïs pour un semis idéalement entre le 15 et le 20 mai. De toute façon on n'a pas reçu les semences encore. Juste c'est livré aujourd'hui justement. Ah ouais, on a reçu celle de LG là pour l'essai. Et c'est la parcelle qu'on utilisait pour faire traverser les vaches, pour qu'elles aillent au fond du village pâturer. Du coup, ce qu'on fait, c'est que d'un côté de la parcelle, on laisse un chemin de 4 à 5 mètres. Bon, vous avez vu avec le drone, hein, que cette partie-là n'était pas faite. Eh bien, c'est exprès, c'est pour que les vaches, elles aient encore accès jusqu'au fond du village. Donc, on va s'occuper de mettre des piquets là et du fil, pour pas qu'elles viennent manger le maïs. Bon, une clôture provisoire, un petit piquet jaune, et puis ce sera bon. Oui, piquet de fer. Ouais. Là-bas, il est en train de retourner le carré là-bas. Il a dû faire le bout là aussi, je l'ai vu là-bas aussi. Donc avant maïs, il nous restera un labour à faire, hein, un passage de rota, et on pourra semer dans la foulée. Et si on voit qu'il n'y a que l'herbe, elle reprend trop d'ici dans les 3 semaines qui vont venir, ben je passerai un coup de vibroculteur ou un équivalent cultivateur peut-être, pour faire sécher l'herbe qui aura repoussé. De toute façon, c'était celle-là. Tous les ans, on tourne, hein, on refait un paddock. L'année dernière, c'était celui de l'autre côté, là-bas. Ouais, sur le parcellaire, sur les 22 hectares accessibles aux vaches laitières, on en refait 2 ou 3 hectares chaque année pour avoir des pâtures qui vieillissent 7 ans. Et cette année, c'était le tour de celle-ci. On a laissé les vaches beaucoup de temps ici cet hiver. Et bon, elles l'ont matraqué un peu, mais finalement, elles n'étaient pas si mal. Mais il était temps de la refaire. Ici, je regardais les clôtures là. Ouais, je pense qu'il y a le taureau qui vient de gratter. Ouais, il y a quelque chose là parce que. Ouais. Coucher vers je serais en train de dire que c'est pas normal. Il faudrait mettre un isolateur de l'autre côté. Ouais, double clôture. Puis même, il y a des piquets qui ont été enfoncés un peu beaucoup. Hein, comme... Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, un peu beaucoup. Ouais, ouais. Je sais pas comment. Tout le monde a compris. Il faut qu'on revoie ça. De toute façon, on arrive dans la saison des clôtures. Hein. On va s'occuper de ça. Donc c'est un nouveau cover crop de la Cuma qui est arrivé à l'hiver. Oui, ça se voit qu'il est neuf. Hein. De marque Razol, c'était un Kivogne avant. Hein. Et il était temps de le changer, et ben voilà. Ben Richard, il en a l'air plutôt content. Et moi, je suis plutôt content du boulot qu'il fait. Il faudra qu'on aille un de ces quatre à la Cuma, on a dit. On n'a toujours pas c'est fait. C'est un retour du matériel. Ouais. Bon, on va attendre qu'il finisse là, parce qu'il faut lui voir le fil, il va passer à côté.
Bon, puis on va lui payer le café, je pense. Bah oui, parce que 19h, il a mis une petite heure pour faire ça. Donc, ouais, il y a presque 3 hectares à faire avancer. Ouais, ouais. Bon, les vaches sont au fond là-bas. T'as lavé la salle de traite ou pas alors? Ah oui, c'est bon. Ah bon, j'ai pas besoin d'aller alors. Et j'ai essayé de donner à boire au petit veau qui est né hier soir, mais il est déjà bien rond. Il a déjà bien tété sa mère. On l'a laissé, comme il est né juste après la traite hier soir, on l'a laissé toute la nuit avec sa mère. Mmh. Ce matin, il était debout, il était bien rond. Je pense qu'il a tété toute la nuit. Par contre, il y a un piqué là-bas, que je trouve bizarre là. Ouais, mais le fil n'est pas dessus. Pas bon. De toute façon, il n'y a personne en chaleur aujourd'hui, même si le taureau il passe dans l'eau. Ouais, mais c'est un moment qu'on t'a pas inséminé non plus. Ouais, bah c'est un peu la mauvaise période pour les fertilités. Comme les rations, c'est que de l'herbe quasiment. La ration est très très azotée, les transits sont rapides. Les vaches, elles retiennent pas bien en ce moment. Et on a très peu de chaleur. En même temps, on n'a pas eu beaucoup de vélage les deux mois précédents. C'est maintenant que ça arrive. Ouais. Au mois de mai, je crois qu'on a 9 vaches à véler. 9 vaches sur 50, ça fait beaucoup. Mais ça tombe à la bonne période quand il y a plein d'herbe. Le temps qui va déborder. J'espère que le temps qui va déborder. On a un peu de marche quand même. Ouais, il va 4200 litres dedans. Et je voulais dire un autre truc aussi. On n'est pas parti d'ici. Hein. il y en a qui ont déjà tiré des plans sur la comète, mais non, on est encore là. Même si on change de ferme. Et on n'a pas encore trouvé, donc on a le temps devant nous. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Peut-être dans 2 ans, on est encore là, on n'en sait rien. Donc faites pas des plans, c'est certain, on sait que certains regardaient exprès nos vidéos pour faire les curieux. Hein. Il y en a qui rêvent déjà. Ouais, ouais. Donc non. Et puis même si on trouve une autre pas trop loin, on peut garder ici. Les si terres, on a envie, bah, évidemment. On va essayer de garder une partie. Donc, c'est ce qu'on avait dit de toute façon. Donc voilà. Bon, il n'y a pas fini Aïcha pour les voitures. Si, bah, c'est la fin, c'est ton dernier tour. Ça couille. Ouais, ça manque un peu de graisse, c'est un poil. C'est tout neuf. Ça fait ça quand c'est neuf. Bon, Richard a fini son champ. Et là, on vous parlait du maïs tout à l'heure, bah, il est arrivé. Il est arrivé. Je suis en train de le décharger. Il y a combien de sacs? Donc il y a du maïs et il y a quoi, du sorgho aussi? Et du sorgho. Oui. Allez, viens. Sophia. Sophia. Ça c'est le répulsif là. Ça c'est le répulsif à Taupin. C'est utilisable en bio et on a utilisé ça l'année dernière et ça s'est très très bien passé. On va refaire, ça coûte pas très cher. Hein. Là on a assez pour traiter presque 20 hectares en fait avec un bidon. Hein. Ouais, c'est du levain fermenté. Qui est fermenté. Donc voilà, donc le maïs. Donc, on a 3 variétés, ouais. Un LG, un pionnier. C'est celui-là qui avait super bien marché l'année dernière, le pionnier. Ouais. On était très contents de ça. Et l'autre, un Danubio, je connais pas. Donc, chaque année on reprend 2 variétés qu'on avait déjà qui fonctionnaient bien et on réécrit des nouvelles. Et là en plus cette année, du sorgho du coup. Alors là c'est un fourrager, hein. C'est pas un qui va être récolté en grain. Le but c'est de le passer en ensilage. Hein. Et c'était pas prévu qu'on en mette cette année, mais c'est parce qu'on a une parcelle de céréales qui est tellement mal levée qu'on va la défaire pour mettre un sorgho à la place. Et c'est un sorgho multicoupe à la base, mais on va essayer de le récolter en ensilage cette année. Voilà, voilà. Donc, tout ça en bio. Donc on en parlait avec le technicien, le printemps il est froid, tout met du temps à démarrer. Le maïs, il y a des chances qu'on ne sera pas avant le 20 mai à le semer. Et on voit bien, on est tard à déchaumer, on est tard à faucher cette année. On sera plus tard à semer le maïs. Et le sorgho, il va attendre la première quinzaine de juin pour être en. Voilà, voilà les histoires. Bon, allez. Donc ce qu'il nous reste à faire pour les préparations de maïs, on a encore les 2 parcelles de dérobées
à faucher. Hein. Il faisait des métailles de fourrage à faucher avant de mettre du maïs. C'est à peine rendu, donc ça va attendre encore 10 ou 15 jours avant de faire ça. Et ce sera pareil à déchaumer, et labour, et rota, et en route. Ça va être sympa le mois de mai parce que tous les fourches vont arriver en même temps aussi. Ça va être bien. Ceux-ci, ils attendent leurs céréales. Sophia, qu'est-ce que tu cherches? Une demi-pelle chacun. Tac. Là. Compris qu'est-ce que c'était ce chariot, hein. Attention Sophia. Sophia. Allez. Oui les filles. Allez les copains. Bien passez-vous. Attention. Eh oh. Je comprenais pas pourquoi il y avait de la flotte là. Mais si, il y a eu de la pluie ce week-end. Allez, j'arrive. Allez, je récupère les gamelles. Attention les fifis. Hop, ça y est. Hop, ça y est. Clochette a un collier parce que l'autre jour je l'ai sorti. Hop. Mélodie, tu veux venir aussi? Tu sais que tu vas rester avec moi. Les filles, allez, hop, on rentre à l'intérieur. Allez, venez. Allez, attention. Allez, viens Mélodie, Mélodie. Allez, viens. Allez, venez les filles. Allez. Allez. Voilà. On va me suivre quand j'ai des céréales. L'autre jour, elles ont été dehors. Pour les sorties, on les a portées et amenées là-bas, sauf le Sophia. Mais pour le retour, on a essayé de les ramener comme ça. Ça a été un petit peu dur. Hein. Clochette, arrivée devant, elle ne voulait pas rentrer. Ça va venir, ça va venir. J'aimerais en fait qu'elle me suive le matin, les emmener dans les enclos. Et puis le soir, quand il ne fait pas beau, que je les rentre. Enfin, quand il fera beau, on va rester dehors, elle rentre quand même. Un jour, comme il fait froid le matin encore, je ne vais pas trop les laisser. Par contre, il m'a mis celle-là. J'aime bien quand mon couloir est rangé. Mais bon, ça va recommencer, je crois. On va mettre plein de bazar. Alors là, on devait tout enlever ici, aménager là-bas le petit apprenti. Mais bon, comme vous voyez bien que nos plans ont un peu changé, et puis là, il y a la ferme du coup, visite de ferme, tout ça, on va pas faire cette année. Bon, voilà, c'est pas grave. Thank you.
Salut. Bon, on est mardi. J'ai de la compagnie. C'est les vacances toujours, donc les enfants sont là. Aussi, on a un neveu qui est là aussi. Il est avec Julien dans le tracteur. Il essaie de choper Sophia, mais ils n'arrivent pas à l'attraper. Sarah. Ça y est, vous l'avez eu ? Ouais. Bon, allez, on va leur donner à manger. En fait, les yeux, il faudrait plutôt que ce soit Sarah. Ouais, non, je sais pas. Mais elle va trop vite. En fait, Sarah, elle aime pas rester sur Sarah, sur ça. En fait, sur Sarah, ça glisse trop. Bon, on les a mis dehors. On vous rentre ce soir. Bon, le petit dernier qui est né dimanche soir. Croisé blanc-bleu. Un beau bébé, hein, un mâle. La mère l'a fait toute seule. Avec quelques jours de retard. Je vais aller voir. Mais hier, quand j'étais autour, il m'a chargé. N'aie pas peur, Coco. N'aie pas peur. Faut que je te boucle. On va te rajouter de la paille aussi. C'est pas assez. C'est bien. Oui, tu fais attention. Hein, parce que... Il est un petit peu foufou. Bah, mais là, il s'est calmé. Ça a l'air d'être mieux. Comme Waka, il est un peu foufou. Tiens, lui, la paille sur l'oreille, là, qui est collée. Voilà. Un peu mieux. Allez, on va aller trier les vaches. Bon, allez, on va aller faire le chemin pour les vaches laitières. Où Richard a déchaumé hier. Donc, on a tous pris des piquets. Hop, on va faire le chemin. Et je regardais ça... Les dernières vidéos que j'ai fait, le son n'est pas terrible. J'ai un problème de micro. Voilà. Bon, j'espère que ça va être mieux là. Désolée pour le son. On a un chemin à faire parce qu'il y a des vaches à tarir. Donc à sortir de l'eau, des vaches laitières. Les mettre en congé maternité. Parce que certains nous demandent qu'est-ce que c'est le tarissement. Et il y a des taris à ramener aussi dans l'eau des vaches. Donc voilà. Donc là, tous les vachons à l'auge. Comment on doit les trier? Elles sont là. Julien leur a mis un petit peu d'enrubané. Donc elles vont attendre. Il y en a 4. Je crois qu'il y en a 4 à tarir. Ouais, on s'occupe de vous après. Bon, ici, on a toujours Rico. Il est à la vente. Si ça intéresse quelqu'un nous l'avait réservé et s'est désisté. Donc Rico qui est là, le limousin. Bon allez. Il est là. Tu peux ramener les bobines de fil s'il te plaît? Ben, on aime bien te faire marcher aussi. Ça va aller Léa? Non, ça arrive pas. Non, ça n'arrivera pas. Ça va Léa. Il peut nous attendre au début, il n'est pas obligé de revenir. Attends, tu restes au bout. Hein? Tu veux que je t'aide? Allez, il faut le mettre dans l'autre sens. Ça. Mais bien qu'elles n'ont pas mangé le coin là. Non, c'est normal, c'est parce qu'elles sont tout le temps là. Ah. On va en mettre deux ici. Parce que c'est le coin. Bon, les 4 taris sont là. On va les bloquer. Et on va aller sortir les vaches. Donc Louloute, Luby, Juanita et Ombrelle.
au repos. On ramène combien du coup? Et on va ramener 2 à Vélé. 2, donc là on a quand même 4 à traire de moins ce soir. Bah tu ouvres pas ici? Ouais, bah je vais faire là, tu fais. Moi je fais ici, toi tu fais celui de... Putain, j'ai failli me casser la gueule. J'ai glissé, chef. J'ai eu chaud. Ouais. Bon, on voit ici la gouttière est toute pourrie. C'est bien. Du coup, ça coule là. Maman, regarde le nez. Ouais. Donc, je sais pas si celui-là il va tenir encore un hiver. Hein. Le poids. Allez, les filles, on y va. On n'est pas bloqué la vache là. Non, elle mange. Louloute, elle est pas contente parce qu'elle voit les copines qui vont au champ, mais elle va aller dans un autre champ où il y a plus d'herbe, alors ça va aller. Allez, allez, mais elle est pas là, Nasa, encore. T'as qui à prendre? Soleil et Nasa. Et toujours, Melton n'est toujours pas avélé. Soleil, c'est laquelle? C'est laquelle? Maman, quand même. Bah non. Je reconnais pas tout le monde, moi. Nasa, tu viens? Et on a besoin de la noire là et la blanche derrière. Et une, la deuxième. Parfait, c'est bien ça, fille. Bon bah voilà. Ah oui. Ouais, j'espère que c'est bien plein, ouais. Bon, on va fouiller. Non, encore un petit peu de repos pour vous. On ramène des copines. Ta copine Louloute arrive. Louloute est déjà arrivée. Tes copines sont derrière. Pressée, celle-ci. Tu me laisses aller voir le fil avant. Je crois que j'aurai pas le temps. Allez. Allez, avancez là. Eh, commence pas toi, Risoli. Ah, celle-ci alors, cette génisse là. Risoli. Tu vas voir Louloute ce qu'elle va te faire. Allez. Chut. Ah, recule. Allez. Viens, fille. Tu viens. Allez. Au repos. Hey! Doucement là! Allez, c'est parti! Encore la même génisse! Wow, moi je recule! Toujours isolée. Bon, les limousines en bas, elles s'en fichent. Elles sont tranquilles. Allez, venez! Allez, Ombrelle! Juanita, allez, on y va! Venez! Allez! Allez, les filles! Oh, Hamilton! C'est bon, mes oreilles! Allez, on y va! Ah ouais, ben elle et Melton, hein, c'est deux chefs du troupeau. Hein. Ça se voit partout. Hein. Tu vois là, ça se bagarre là. Il y a trois endroits où c'est. Ah non, deux. Il y a Shelby et Juanita qui. Chacune doit retrouver sa place. Elle est belle, Juanita. Elle est fière. Elle est encore en train de se frotter. Le loup, elle fait son masque. Là, c'est trop. Elle essaie de mettre son masque ici sur le ventre. Elle veut montrer que c'est la plus forte. Elles vont se bagarrer, je crois. Mais en fait, c'est des copines. Mais oui, mais elles se connaissent, oui. Elles font des bisous. C'est des gros bisous, quand même. Ouais. Voilà, c'est